Et maintenant, Monsieur le Président, nous attendons votre signal pour dévoiler la gare de Saint-Denis-Pleyel. Merci beaucoup. Tout le monde a été présenté, donc je remercie tout le monde d'être là aujourd'hui. Je veux surtout, avant de dire les mots qui conviennent, vous remercier infiniment parce que c'est un projet, en effet, qui vient de loin. C'est plus de 15 ans de conception, de travail qui vient s'appuyer sur des décennies, évidemment, d'engagement de la ville, du groupe RATP et puis de tous les acteurs. Et de l'État à la région, en passant par la métropole, la ville de Saint-Denis, toutes les villes partenaires, on était à Saint-Ouen il y a quelques instants, l'ensemble des entreprises publiques, privées qui sont là. Et j'ai une pensée pour vraiment l'ensemble des compagnons, des collaboratrices et collaborateurs de tous les groupes qui ont été impliqués, qui ont conduit ce travail et qui nous permettent aujourd'hui voilà, d'avoir ce geste inaugural. Et donc je vous remercie infiniment pour cet engagement collectif. C'est un travail collectif, c'est ce que la République sait faire, en rassemblant toutes les forces de la nation, réussir à changer des vies de manière très concrète. Et donc, j'ai l'immense honneur, en votre nom à tous, de déclarer ouverte la gare Saint-Denis-Pleyel. La gare de Saint-Denis-Pleyel est désormais ouverte et j'appelle maintenant à nous rejoindre sur scène M. Emmanuel Solony, directeur de la ligne 14, pour remettre le tétra à M. Jean Castex, président directeur général du groupe RATP, pour l'ouverture officielle du prolongement de la ligne. Voilà, on applaudit M. Solony, acclamé. M. Castex, il me semble que vous devez appeler le poste de commandement de la ligne pour ouvrir le prolongement aux voyageurs. On vous écoute. Alors, le poste de commande de la ligne 14 à Bercy pour Saint-Denis-Pleyel, est-ce que vous nous recevez ? Monsieur le directeur de la ligne 14, pour le poste de commande et contrôle de la ligne 14, nous vous écoutons. Alors, je vous passe le président directeur général du groupe RATP. C'est bien fait, tout ça. Hein, monsieur le directeur, pour le poste de commande et contrôle de la ligne 14, nous vous écoutons. Très bien. Alors, je déclare ouverte l'exploitation commerciale de la ligne 14 entre Mairie de Saint-Ouen et Saint-Denis-Pleyel, d'une part, et entre Olympiade et l'aéroport d'Orly, d'autre part. Dans quelques minutes, vous pouvez prendre des voyageurs. Merci. Bravo. C'est bien reçu, Monsieur le Président. C'est avec une immense joie que nous procédons à l'ouverture du double prolongement de la ligne 14 à Saint-Denis-Pleyel et à l'aéroport d'Orly. Félicitations, la ligne est désormais ouverte.